Alors, je viens de la Corrèze, de Tulle. Est-ce que vous savez où est la Corrèze, Tulle? Oui, monsieur le maire, de savoir. Oui. Ok, vous savez que là-bas, il y a le président de la République qui y habite. Vous connaissez Hollande? Tout le monde le connaît. Bon, sauf que moi, je pensais être le seul hypnotiseur, mais on est deux, hein. En tout cas, lui, vous endormit comme il faut. Hein. Alors, on ne sait pas s'il va vous réveiller, hein. En tout cas, changement ce soir, c'est avec moi, ça va se passer là. Hein. Okay. Alors, il y a plusieurs familles d'hypnotiseurs, hein. Vous avez les hypnothérapeutes. Alors, l'hypnothérapeute, vous savez, c'est la personne qui va vous recevoir pour éventuellement arrêter de fumer. Ou peut-être avec Anthony, arrêter le chocolat. Ou peut-être les phobies, très important les phobies. Hein. Vous savez que d'ailleurs, il y avait un ministre hein, qui avait inventé une phobie. C'était la phobie administrative. Hein. C'était pour ne pas payer ses impôts. Mais vous, ça ne peut pas vous arriver, votre ministre. Hein. Voilà. Alors, il y a aussi les hypnotiseurs de rue. Alors, les hypnotiseurs de rue, comment ça fonctionne? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, ils sont dans la rue, ils vous hypnotisent, ça. Et puis vous avez pareil dans le métro, pour ceux qui prennent le métro. Alors, comment ça se passe dans le métro avec ces hypnotiseurs-là? Vous dormez comme ça, et quand vous vous réveillez, vous n'avez plus rien. On appelle ça des hypnotiseurs roumains. Voilà. Alors, on va faire des petits tests ce soir. Tout à l'heure, j'ai pris des gens, et puis on va quand même faire un test tous ensemble pour que vous sachiez oui ou non, si vous êtes oui ou non. Réceptive, il y en a trois qui suivent, punaise, on va se faire chier. Alors, on met les mains comme ceci cette fois-ci pour de vrai. Voilà. Très bien. On croise très fortement comme ceci. On va lever les index à hauteur des yeux. Alors, les index pour les blondes, c'est juste après le pouce. Hein. Oui, parce que j'en vois des. Mais les blondes, de toute façon, je vous dis tout de suite. Hein. Les blondes, c'est même pas la peine qu'elles fassent le test. Hein. Elles sont réceptives déjà à la base. Hein. Ouais. On le sait, hein? Bon, ok, vous êtes prêts? On décroise les jambes. Comme ceci, très bien. Maintenant, quand vous allez ouvrir les yeux, ils sont tous nus. Un, deux, trois, ouvrez vos yeux. Ouais, là, il y a du boulot, hein? Le monsieur barbu, là, on va pas lui demander de se lever, hein? Comment ils sont? Ok, super. Je vous demandais de fermer vos yeux, de respirer profondément, de dormir comme ceci. Votre prénom à vous, c'est Jacouille. Ouvrez vos yeux. Vous vous appelez, ouvrez vos yeux. Vous vous appelez Jacouille. Je vous dis qu'il a la tête, hein. C'est vous, Jacouille? Ok. Est-ce que vous voulez qu'on le laisse comme ça? On va le laisser comme ça toute la soirée. Merci. Allez vous asseoir là. Ça va, Jacouille? Ok. Tiens, toi, ça a quelque chose. Fermez vos yeux, respirez profondément. Dormez comme ceci, très bien. Maintenant, chaque fois que je secoue la main comme ceci, vous êtes mort de rire, mais chaque fois que je secoue la main gauche comme ceci, vous avez un visage qui est très en colère, vraiment en colère. Un, deux, trois, réveillez-vous. Fermez vos yeux, respirez profondément, dormez. Dans un instant, avec le 1, avec le 2, le 3, tourne normal, éveillez-vous. On peut l'applaudir, merci. La jambe va se coller à votre jambe, comme ceci. Votre corps, il va monter comme ceci, très bien. Votre corps est dur, raide comme une barre de fer, comme une poutre. Maintenant, je vais vous mettre un poids de 50 grammes. Votre corps est bon, bon, encore. Votre corps est dur, raide, encore plus dur, encore plus raide. Maintenant, je mets un poids de 50 grammes. Votre corps est dur, raide, encore plus dur, encore plus raide. Votre corps est dur, raide, encore plus dur. Dans un instant, quand vous allez ouvrir vos yeux, vous allez apercevoir Anthony Joubert. C'est l'humoriste qui est venu ce soir vous voir. Vous allez le trouver beau. Vous allez dire que vous l'aimez, que vous êtes fan de lui. Un, deux, trois, oui, oui. Ok, super. Vous savez que ce soir, vous êtes venu voir Anthony Joubert. Oui. Vous voyez comment il est, hein? Oui. Regardez qui c'est qu'il est là à côté de moi. C'est qui? C'est Anthony Joubert. Ça va, Anthony? Ah, c'est super. Donc ce soir, vous allez vous faire la... Ah bon, le sketch? Hein, le sketch. Et est-ce qu'il est beau? Oui. Vous l'aimez?
Oui, je vous aime. Ah, mettez-vous à côté. On va faire un petit selfie pour que vous soyez un souvenir avec vous et Anthony Joubert. On va faire des trucs comme ça. Prenez Anthony contre vous. Allez-y, combinez-en. C'est une star, hein. Okay. Et c'est pas tous les jours qu'on tient une star entre ses bras, hein. Anthony, je suis vraiment content de t'avoir connu. Et tout à l'heure, il va me tuer, le mec. Un petit sourire. Alors, vous pouvez faire une pause, genre je me la pète, hein, je suis une star. Allez-y. Allez-y, faites la pause. Super, on peut les applaudir, hein. Merci. Merci. Un dernier applaudissement pour ceux qui ont fait le spectacle ce soir. Vous pouvez aussi vous applaudir, hein. Allez-y. Vous pouvez me suivre sur Chamanic Protégeur sur Facebook aussi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci. Place au spectacle avec Anthony Joubert. Merci bien. Merci.